Maintenant, on va voir la solution de la mission Les Gardiens Célestes qui vous demande d'invoquer 4 gardiens dans les 4 directions. C'est affiché sur la carte si vous êtes en mode guidé, mais si vous êtes en mode exploration, on va voir ça ensemble. Et puis, à chaque fois, les zones sont plus ou moins compliquées. Celui du sud est juste à côté, on le fera très rapidement. Celui de l'est est particulièrement éloigné sur la droite, mais c'est pas le plus compliqué finalement. On a bien entendu celui qui est au nord, un peu plus dur parce qu'il y a des énigmes, et on a celui de l'ouest, un peu plus dur parce qu'il y a des plateformes difficiles. On va faire ça dans l'ordre en commençant donc par celui du sud qui est juste à côté de ce dernier boss que l'on a fait donc dans la dernière vidéo solution. Il vous suffira de partir sur la gauche et directement d'aller interagir avec le cercle ici pour invoquer ce premier gardien, donc pas de problème. Ensuite, il vous suffira de faire demi-tour et de revenir donc maintenant dans la partie centrale et de remonter dans les différentes directions. C'est également ici que vous allez obtenir un autre pouvoir que vous n'aviez pas encore, un pouvoir qui est bien utile, vous allez voir. Donc il vous suffira de récupérer la plume qui est juste ici pour l'obtenir et pouvoir l'utiliser. Et il s'agit tout simplement eh bien, des ailes anti-gravité, autrement dit le double saut. Et effectivement, enfin, vous allez avoir un double saut. Il fallait aller quasiment jusqu'à la fin du jeu pour ça. Dans tous les cas, il est très utile. On va voir rapidement les premières étapes pour ressortir d'ici. Et après, il faudra trouver un point de téléportation ou tout refaire à la main, peu importe. Alors, faire un double saut, ça ne veut pas forcément dire que tout est hyper accessible non plus. Vous allez voir qu'il faut quand même bien le timer à chaque fois. Ici, pour passer au-dessus de certaines piques notamment. Et pouvoir continuer sur la suite, donc, pour ressortir de ce gouffre des sables sans fin. Il vous suffira juste de faire quelques petits jumps et quelques petits dash tout en suivant le chemin principal. Vous retrouverez le vieil homme également à qui vous allez pouvoir parler rapidement et continuer de suivre le trajet avec quelques dash ici, un double saut à faire et on trouve un arbre également ici. Je vous recommande de le faire bien entendu, si jamais vous mourrez comme ça, vous reviendrez directement ici et on continue sur la droite. Ici vous allez avoir une petite séquence de grimpe, alors qui est un petit peu aléatoire, mais en fait ce qu'il faut faire c'est rebondir le plus possible sur les différents blocs qui descendent. Donc c'est un peu en fonction des blocs qui arrivent, des fois ça ira bien, des fois vous allez perdre un petit peu de hauteur. Mais voilà, vraiment vous allez à gauche à droite, vous sautez sur le plus de blocs possible, vous accélérez la séquence ici hein, parce que vraiment des fois c'est un peu long. Mais il vous suffira de continuer comme ça encore un peu pour grimper jusqu'à voir le haut de la cascade. Une fois que vous verrez le haut, il vous suffira de partir sur la droite. Là voici donc ce début de cascade. Et directement, on peut partir sur la droite. Il ne vous suffira plus que de faire quelques mètres pour ressortir de la zone. Et après, je vous laisserai aller eh bien, un point de téléportation en fonction de ce que vous avez débloqué, en tout cas pour ressortir. Et on ira en direction de celui qui est à l'est. Donc on remonte ici avec les sables. Et vous pouvez sortir en cassant la petite barricade qui est au-dessus ici maintenant. Avec votre double saut, ça va bien. Je vous laisserai donc aller à un voyage rapide et on va se diriger ici vers la porte verte. Alors ici, il n'y a pas de voyage rapide, hein. Faudra passer par le bas. Très important, vous ne pouvez pas passer par le haut, ni par là, c'est bloqué. Vous devez impérativement descendre ici, faire le tour et revenir dans la zone avec toutes les plateformes pour monter dans cette pièce sur la droite, là où il y a la porte verte, en tout cas dans cette zone-là, pour ensuite avoir accès à la partie qui nous intéresse pour aller chercher le gardien qui est à l'est. Pour ouvrir la porte, vous devez récupérer quelque chose d'explosif, notamment le baril qui est ici. Il y a des mines sinon qui sont en illimité un peu partout. Vous en trouverez sans aucun souci. Vous arrivez donc dans une nouvelle zone. Il vous suffit donc d'avancer dans celle-ci sur la droite. C'est quasiment un chemin tout droit. Il y a bien sûr quelques petits passages secondaires, etc. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de vrais gros problèmes pour trouver votre chemin. Vous finirez forcément par y arriver. C'est vraiment assez, assez linéaire. Donc je vous laisserai avancer. On va ici pas tout voir pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. Jusqu'à arriver vers l'une des zones les plus jolies du jeu, celle avec la mer, la tempête. Et directement, il faudra continuer dans cette zone. Là aussi, c'est pas plus compliqué, il vous suffit d'avancer sur la droite au fur et à mesure des vagues et des bateaux que vous allez traverser afin d'accéder à la zone qui va nous intéresser à la fin. On va voir quand même quelques petits passages en accéléré, histoire de si jamais pour certains qui pourraient éventuellement ne pas trouver le trajet, même si normalement ça devrait plutôt bien se passer. On ressort sur la mer ici et donc on va partir sur la droite encore une fois. Ici quelques ennemis également, hein. Je ne voulais pas re-répéter, mais bien entendu je vous rappelle hein, que ces vidéos solutions eh bien, sont là juste pour vous montrer le chemin principal, pas pour tout montrer. Donc je zappe les ennemis, je vais très très vite, c'est le but recherché. On fera d'autres vidéos 100% sur la chaîne principale ou sur cette chaîne secondaire, je ne sais pas encore. Mais c'est pas le projet de tout récupérer aujourd'hui. On ouvre ici un nouveau petit arbre, parfait, et vous avez également un point de téléportation qui se trouve au-dessus, que l'on va également activer, très intéressant pour revenir ici, notamment bah, justement pour faire le reste du 100% après, et puis bien sûr parce que c'est quand même très pratique. Ensuite on peut descendre ici, faites attention au feu, ça peut vous tuer, donc utilisez vos dashs et vos doubles sauts. On peut continuer de descendre dans cette nouvelle zone. Petit piège ici, vous allez devoir éliminer quelques ennemis afin de ressortir sur la droite et de continuer donc sur la suite de la zone.
Mais encore une fois, ici, il faudra faire un petit saut sur le petit mur, vous avez pu voir, et un dash pour pouvoir continuer. Ici, vous pouvez casser également la petite barricade, c'est un raccourci, comme ça, vous pourrez directement retomber depuis le point de téléportation, si jamais. Ensuite, on continue de nouveau à l'extérieur, on peut passer par le bas de la zone, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur la mer. Ici, il faut par contre passer sur le dessus de ces petites méduses qui vous servent de plateforme, qui peuvent vous donner des charges électriques également, mais c'est pas très très violent. En tout cas, il faut rester en hauteur pour avoir accès à la suite ici dans ce bateau. On continue encore et toujours, quelques ennemis, un petit peu de flammes à éviter également pour ne pas mourir. Et on continue de descendre les plateformes les unes après les autres. Encore un petit arbre, toujours très intéressant pour activer des checkpoints. On peut donc continuer par ici et ressortir de nouveau à l'extérieur. De nouveau la même manipulation, vous continuez sur la droite en restant plus ou moins à mi-hauteur. Ici on a un bateau qui est penché, vous pouvez le réactiver en tapant de nouveau eh bien, la petite partie lumineuse ici. Ce n'est pas un point de téléportation, c'est juste pour remettre le bateau droit. Vous allez vous faire attaquer par deux ennemis avec des fouets, je vais encore une fois les zapper, hein, mais ce n'est pas normalement le mieux à faire. On continue sur la droite encore et toujours. Ici, il faut essayer de ne pas tomber dans l'eau parce que parfois, eh ben, vous pouvez et vous mourrez. Donc attention maintenant, ce n'est plus comme avant. L'eau n'est plus votre ami. Directement, on peut continuer par les différentes plateformes. Pareil, c'est à droite, il n'y a pas de grosses difficultés pour trouver votre chemin. Donc pareil, j'accélère cette séquence. Pour gagner un petit peu de temps, vous trouverez normalement le chemin sans aucun souci. N'oubliez pas également le petit point de téléportation ici et l'arbre. Et vous passez par la chaîne, il va y avoir un combat de boss juste après. Donc pensez bien à aller vous améliorer au refuge avec la téléportation avant d'y aller si jamais. Une fois le combat de boss fini, vous suffit de continuer sur la droite et vous tomberez donc sur l'endroit où il y a le deuxième gardien, le gardien de l'Est. Donc voilà pour celui ici qui n'était pas très très dur, c'était juste qu'il y avait beaucoup de trajets et beaucoup de plateformes éventuellement pour trouver son chemin, mais pas d'énigmes ni de gros challenges. On va donc pouvoir maintenant se diriger au nord et notamment celui qui est sur la droite ici, et on a également une porte que l'on peut ouvrir, donc je vous laisserai vous téléporter dans la zone de la haute citadelle. Il faudra donc venir ici. Une fois que vous êtes là, il vous suffit de monter grâce à votre double saut juste sur ces petits crochets qui étaient inaccessibles avant. Vous arrivez à la zone du lustre qui lui aussi maintenant est accessible et vous pouvez continuer en hauteur au maximum pour arriver jusqu'ici, quelques archers comme d'hab qui peuvent vous embêter, et on continue donc sur les hauteurs maintenant de cette citadelle pour aller chercher donc eh bien la suivante, enfin du moins l'invocation suivante, pardon, et directement on continue. Ici il faut utiliser le petit mur sur le côté comme vous pouvez le voir pour monter au niveau supérieur, là où il y a les archers, et ensuite utiliser les différentes roues en faisant attention au pic, le but étant de monter au niveau maximum et ensuite de partir un petit peu sur la droite en faisant attention de ne pas se faire déchiqueter bien entendu, et ici continuer votre ascension au fur et à mesure avec les différents archers qui peuvent un peu vous embêter. N'hésitez pas à aller faire le ménage si jamais. On continue de passer sur la droite ici et on continue encore une fois de monter pour arriver sur la droite de ce bâtiment. Une fois qu'on est là, de nouveau on a un petit coffre à l'intérieur que l'on va pouvoir ouvrir, une petite amulette en bonus que l'on va prendre et récupérer. Voilà qui est fait. Et ensuite, on va passer sur le côté de ce bâtiment directement. Ici, vous pouvez faire un double saut, et ce qui vous permettra de vous accrocher à la paroi et de continuer juste ici. On a de nouveau un arbre que l'on va pouvoir activer et on va continuer de monter. On est encore loin d'être au niveau suffisant pour avoir accès à ce troisième gardien. Donc on va de nouveau utiliser les quelques plateformes et continuer de monter. On va se diriger bientôt vers une énigme également qui ne sera pas très facile à résoudre. On va voir ça ensemble. Une fois que vous arrivez là, vous avez un petit combat à faire avec deux gros monstres assez impressionnants. Une fois que c'est battu, eh bien, vous avez la porte qui s'ouvre sur la gauche et vous pouvez continuer de grimper. Ici, il faut directement faire un double saut sur le côté du bâtiment et continuer avec quelques enchaînements afin de monter au niveau supérieur. Une fois que vous êtes là, vous pouvez directement continuer sur la droite. Vous allez trouver le vieil homme à qui vous allez pouvoir parler une nouvelle fois. Une fois que c'est fait, vous pouvez continuer dans la même direction pour enchaîner donc sur la partie qui va nous intéresser. De nouveau, quelques combats également sur le passage. On arrive ici, c'est parti pour la haute citadelle est. C'est là que se trouvent les énigmes. Première chose à faire, c'est bien sûr le petit arbre qui est ici. Et vous pourrez repérer donc les espèces de grandes batteries violettes ou roses. C'est ce que vous allez devoir déplacer dans les différentes énigmes. Donc il faut utiliser rond hein, pour les prendre, et rond pour les placer tout simplement comme n'importe quel explosif que vous auriez utilisé avant pour ouvrir des portes. Ici, on peut continuer sur la droite. C'est la même manipulation. C'est juste qu'il faut utiliser le mur pour faire un double saut et un dash pour avoir accès au lustre. Vous avez donc nouveau une petite batterie qui est ici, vous allez pouvoir la récupérer avec rond, la placer, ce qui offre la place justement à la trappe, et donc vous pouvez descendre. Vous avez de nouveau eh bien continuer un petit peu plus loin ici sur la gauche, vous pouvez descendre dès que le contrepoids s'active.
Vous pouvez ici aller rapidement sur la gauche et ouvrir la petite porte. C'est juste un raccourci pour plus tard, il n'y a rien à récupérer sur la gauche. Ensuite ici, il faut réussir à passer eh bien, de l'autre côté. Donc c'est quelques plateformes plus ou moins difficiles où il faut eh bien, réussir à rester contre certains de ces contrepoids pour justement réussir à libérer l'accès et ensuite passer de l'autre côté à droite. Eh bien, vous pouvez de nouveau utiliser un levier et passer dans la zone suivante. De nouveau ici, une autre séquence de plateforme, encore un petit peu plus dure que la précédente. La manipulation, cependant, est la même. Il faut rester sur les côtés et réussir à aller tout à droite de la pièce. Donc ici, vous pouvez bien entendu utiliser votre double saut à foison. Vous avez également une pièce ici au milieu que vous pouvez tenter de récupérer. C'est pour les marchands, on s'en occupe pas encore une fois dans les vidéos solutions, ce sera dans des vidéos 100%. Ici le but étant vraiment d'alterner et de passer eh bien, au principal, c'est-à-dire la mission. On peut donc continuer de monter. Alors les triangles ici, vous n'avez pas encore le pouvoir, ce sera plus tard, ce sera un espèce de fouet que vous pourrez utiliser pour grimper beaucoup plus rapidement dans certaines zones. Donc ici, ce n'est pas utilisable. Si jamais vous en aviez vu d'autres, c'est pareil. Du coup ici, on va pouvoir passer en dessous, continuer sur celui d'à côté, essayer de passer au-dessus en faisant attention de ne pas se faire agripper par les pics. Le dernier, il a une petite plateforme un peu plus basse, c'est parfait, on peut l'utiliser et continuer sur la droite en direction des énigmes, qui sont elles un petit peu plus difficiles et surtout avec un certain timing. Vous avez également donc la dernière partie que l'on a vue ici en forme de cercle. On va s'en occuper plus tard. Donc on est ici toujours dans la haute citadelle est. On arrive dans la pièce centrale. La première chose à faire est de placer un écho sur la trappe qui est ici à gauche, sur la plaque plutôt, d'aller ensuite sur la plaque de droite, de faire avancer la batterie au maximum, d'utiliser ensuite votre écho pour revenir sur la plaque de gauche, ce qui active eh bien, une petite plateforme et qui fait tomber la batterie que vous pouvez donc placer ici. C'est pas fini. Ensuite maintenant il faut vous placer eh bien, sur la partie gauche ici, puis ensuite placer un écho ici. C'est très important et vous devez le laisser jusqu'à la fin, surtout pas enlever votre écho. Ensuite il fallait récupérer la batterie, j'ai oublié de replacer mon écho, je m'en suis rendu compte, donc retour arrière, allez bien récupérer la batterie en bas du coup, utilisez votre écho, placez-le de nouveau, et ce qu'il faut faire c'est eh bien un dash et aller en direction de la trappe qui est ouverte. Donc replacez bien votre écho à chaque fois, une fois que vous êtes là vous pouvez sauter au-dessus et directement placer la batterie et vous êtes enfermé dans la grille, c'est pour ça qu'il faut laisser un écho. Il est également possible de tirer pendant que vous faites le dash directement en l'air sans même rentrer par la grille, donc ça peut éventuellement aussi être une possibilité. Dans tous les cas voilà pour la première batterie qui est placée, vous pouvez donc utiliser votre écho pour revenir à la base de la zone et directement continuer sur le côté gauche. On va donc monter au-dessus vers le grand cercle. Il y a deux côtés à droite et à gauche où il y a deux énigmes. On va commencer par l'énigme qui est à gauche et qui est pas facile, qui a un certain timing. On récupère la batterie, on la place directement en dessous dans un premier temps. Ensuite, on va utiliser les plateformes qui sont sur les côtés pour aller placer un écho juste au-dessus du deuxième réceptacle. Montez le plus haut possible et ici, bam, au milieu, vous le placez. Vous récupérez votre batterie, vous la placez sur le deuxième réceptacle, vous utilisez votre écho, vous récupérez la batterie en bas et vous la lancez au-dessus. Si vous êtes suffisamment rapide, la batterie sera dans le réceptacle. Et voilà qui est fait pour cette énigme. Ça va très vite, hein, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a très très peu de timing. Directement, vous pourrez passer sur la droite de la zone. Deuxième énigme. Là aussi, c'est pas forcément hyper facile. La batterie est là directement. On la récupère. On va pouvoir la placer au-dessus, ce qui permet de faire une petite plateforme qui est juste ici. On va directement ensuite récupérer la batterie et partir instantanément sur la droite pour faire un double saut et un petit dash pour placer de nouveau un écho en plein milieu ici au-dessus. Une fois que c'est fait, directement, vous allez pouvoir eh bien, replacer votre batterie ici sur la plateforme dans le but étant ensuite de récupérer votre écho. Mettez-vous sur cette plateforme ici, une fois que vous êtes là vous sautez deux fois, vous mettez de nouveau un écho le plus haut possible et maintenant ce qu'il faut faire c'est récupérer la batterie, rejoindre votre écho et de nouveau le balancer, enfin du moins balancer la batterie en direction de la grille qui est tout au dessus. Donc on récupère la batterie, on met l'écho, on balance la batterie et si on a suffisamment de hauteur elle devient normalement eh bien, bloquée dans son réceptacle et vous avez donc terminé cette deuxième énigme. À partir de là ce n'est plus qu'une formalité, il vous suffit de monter en direction de la roue et là vous devez eh bien, ralentir les différents cercles pour qu'ils s'allument les trois en même temps. Donc vous pouvez bloquer le bleu pour que le bleu s'allume en même temps que le jaune. Une fois que le bleu et le jaune s'allument en même temps, eh bien vous vous occupez du rouge. Et le but après, bah vous vous appuyez simplement sur le rouge quand il s'allume. Et vous attendez que le bleu et le jaune s'activent en même moment. Vous voyez ici par exemple, hop, le bleu et le jaune étaient bons, mais j'avais pas le rouge. Donc j'appuie sur le rouge, je laisse le rouge allumer et j'attends que le bleu et le jaune aillent s'allumer. Bien sûr, il faut les synchroniser avant, hein, bien sûr. Et directement, voilà qui est fait pour que simplement la porte s'ouvre et que l'énigme soit réussie, impeccable. On n'a plus qu'à monter maintenant grâce aux nouvelles plateformes qui viennent d'apparaître. Directement ici, on peut monter au niveau supérieur. On a sur la gauche un point de téléportation qui pourra être bien pratique si vous n'avez pas envie de tout remonter. Un petit coffre en cadeau également ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez repartir maintenant sur la droite de la zone en direction donc de l'endroit où se trouve le troisième gardien, gardien nord. Après quelques dialogues également,
Vous pourrez donc très vite continuer sur la droite pour aller l'activer tout au-dessus de la citadelle. Voilà qui est fait, ce qui permettra ensuite eh bien, d'enchaîner sur le quatrième et dernier gardien, celui de l'ouest, et c'est peut-être le plus difficile. Donc pour ça, il faudra donc aller tout au-dessus ici et tout à gauche. Donc on va de nouveau partir eh bien, d'un point de départ assez classique qui est celui-ci, et vous avez ce petit passage qui est un peu discret que vous devez repérer. Donc dans cette pièce-là, vraiment, il faut monter un tout petit peu au milieu, pas trop haut, pas trop bas, et c'est donc dans cette zone-là que vous pourrez ensuite aller chercher le dernier gardien. Donc de nouveau, on retrouve les archers et les roues. Il faut de nouveau passer sur le petit mur ici pour monter au niveau supérieur et de nouveau grimper sur les différentes plateformes qui sont ici. Donc on va monter un premier niveau, vous pouvez continuer sur la droite ici et après juste un deuxième niveau. Donc vous pouvez utiliser la roue qui est ici par exemple, vous attendez de faire un tour, vous ne partez pas sur la droite contrairement aux fois précédentes, vous continuez sur la même roue et vous pouvez directement passer sur celle-ci et après directement vous pourrez continuer sur la gauche. Voilà qui est fait ici, vous êtes au bon endroit si vous êtes sur la carte effectivement au même endroit que moi. Directement on peut continuer dans cette nouvelle zone en continuant donc sur cette petite partie, et je vous préviens, il y a des grosses plateformes difficiles et ça va commencer directement ici. Donc c'est un peu comme Super Meat Boy, ici il faudra vraiment essayer plein de fois jusqu'à réussir. Ici il faut se laisser tomber un dash à gauche, un dash à droite. Ici même chose, on se laisse tomber dash à gauche, on se laisse tomber dash à droite et un double saut en se laissant retomber un petit peu. Hein. Ne soyez pas trop pressé sur le double saut sinon vous allez prendre des pics. Ici il faut faire un petit saut avant et ensuite un double saut. Vous agrippez ensuite la tige, pareil là, saut, dash, c'est classique, double saut ici, vous vous laissez retomber. Même chose, saut, dash, vous récupérez votre tige et vous continuez sur la gauche. Ici il faut timer bien sûr les doubles sauts parfaitement et ensuite on n'oublie pas le dash et le double saut. Ici un saut, un dash, un saut, un double saut et on monte. C'est tendu, mais ça passe. Ensuite, on continue avec des glissades et des sauts. Jusque-là, tout va bien. Et un petit crochet. Alors attention, ici, c'est encore une fois pas facile. Il faut se laisser tomber quand les pics commencent à aller à droite pour ensuite faire un double saut, s'agripper au mur, un dash et continuer directement sur les crochets qui sont de l'autre côté. Pas facile non plus. Ensuite, on continue sur ce côté. On monte au maximum des pics et un dash à gauche. On continue sur le mur avec plusieurs dash et dash à droite. Et on continue de remonter au fur et à mesure. Et on peut continuer donc en remontant et on partira sur la droite de cette nouvelle zone. Il faut grimper, mais pour ça il faut faire le tour eh bien, par la droite. Vous avez pas mal d'ennemis également ici. Vous pouvez activer un petit raccourci qui vous sera très utile à n'en pas douter et utiliser les plateformes qui sont directement ici avec les doubles sauts, les dash pour passer sur le côté gauche mais en restant en hauteur, ce qui vous permettra de continuer vers d'autres plateformes et d'autres minutes de souffrance. À n'en pas douter, on peut monter ici directement et encore un peu plus loin ici sur la gauche encore et toujours. On arrive dans une nouvelle zone, c'est reparti pour un tour. Ici on va donc pouvoir avancer un tout petit peu. Une fois qu'on est là, il faut monter un niveau au-dessus juste ici et utiliser le mur qui est juste au-dessus à gauche pour s'accrocher et continuer comme ceci, ce qui nous permet de monter directement encore un peu plus haut. Ici, toute petite énigme, il faut placer un écho au-dessus de la trappe la plus basse et directement après activer la trappe qui est à gauche. Donc hop, on place l'écho, on active la trappe, on utilise l'écho et on fait un tout petit rebond, on place un autre écho sur celle de gauche. Même chose, on active la trappe, on fait un tout petit rebond et on accroche les crochets. C'est vraiment timé exprès pour pouvoir faire juste un micro rebond. On peut continuer ici sur la partie haute. Vous arrivez ici également vers un arbre à récupérer sur la droite. Je vous le conseille puisque c'est un checkpoint et si jamais vous mourrez, eh bien ça pourra vous sauver de nombreuses heures de galère. Donc n'hésitez pas. Et vous avez également un point de téléportation sur le côté. Récupérer tout ça, c'est important. On peut donc continuer maintenant sur le côté gauche, aller chercher les dernières choses à faire, même si on est encore loin d'avoir terminé. On va pouvoir voir ça ensemble. Vous avez une petite trappe, du moins une petite grille à ouvrir. Une fois que c'est fait, vous continuez directement ici en allant sur le bas. C'est reparti pour un tour. Alors ici, de nouveau, une tige. Il faut utiliser un écho, donc il faut se placer quand les pics sont à droite ici directement et faire un dash sur la gauche, ensuite utiliser l'écho et directement dasher sur la droite. On peut descendre, la manipulation est la même ici. Alors là j'aurais pu le faire direct mais c'était un peu tendu, donc on va attendre, les pics sont à gauche, on place un écho, on refait un dash à droite, on utilise l'écho et on fait un dash à gauche. On peut descendre en bas, c'est sécurisé, impeccable, on descend d'un niveau, encore une fois on fait attention tout de même. Une fois qu'on est là, on peut continuer directement sur la gauche. Une fois qu'on est ici, on peut monter. Attention, c'est peut-être l'une des zones les plus difficiles ici, hein, donc il faudra être un petit peu motivé. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de faire un double saut, de passer au-dessus. On continue ici, il faut timer parfaitement sur le mur, bien sûr, les doubles sauts. Un premier ici, un deuxième ici et un troisième, ce qui permet de choper la tige. Ici, c'est la même manipulation qu'avant, on met un écho, on revient sur la gauche, on le traverse, on utilise la tige.
la tige, pardon. Ici, il faut aller en diagonale pour ensuite faire un dash sur la droite. Même chose, diagonale, un double saut, on s'agrippe au-dessus. Et ensuite, on va sur la droite, diagonale au-dessus, un double saut et directement les crochets. Peut-être un petit dash également à la fin. Ici, on va de nouveau récupérer la tige. C'était chaud pour moi, mais c'est passé. On va directement de l'autre côté, un petit double saut éventuellement. Et hop, on est au-dessus. C'était tendu également. Petit raccourci, je vous le conseille, il pourra être utile. Directement, on peut revenir après sur nos pas et repartir sur la gauche. Vous allez donc arriver face à un combat de boss. Une fois qu'il est fait, et ben c'est quasiment terminé. À partir de là, vous pouvez continuer encore une fois sur la gauche de la zone. Vous obtenez bien sûr quelques récompenses et vous pourrez aller chercher la zone avec le quatrième et dernier gardien à invoquer juste ici. Une fois que c'est parfait, la quête principale des gardiens célestes est terminée, ce qui enchaînera directement sur une autre petite quête. Il n'y a pas de solution à faire sur la quête suivante qui s'appelle Retour dans le passé, c'est vraiment juste des plateformes très classiques à aller chercher et après beaucoup de combats, donc ça ne devrait pas poser de problème. Si vous galérez pour trouver l'entrée de l'hôtel des 4 gardiens, eh bien il vous suffit d'aller sur cette zone ici et par le petit passage qui est en bas, ce qui vous permettra eh bien, de trouver l'accès, c'est la chaîne et le contrepoids qui est juste ici. Voilà, une fois que vous avez ce contrepoids, vous avez quasiment trouvé l'accès de la zone qui vous intéresse. Il vous suffit juste de, encore une fois, utiliser ces quelques plateformes, les quelques rebonds sur les contrepoids avec ici juste trois petites zones et directement pouvoir passer dans la grande pièce qui est à droite, ce qui vous permettra eh bien de terminer cette quête également et d'aller activer tout ça. Voilà qui est fait pour cette quête. On va donc se retrouver sur la suite après quelques combats pour eh bien, la quête suivante qui aussi demande peut-être quelques astuces.